bien, bonjour à tous. Je suis bien accompagné en plus puisque je suis pas tout seul pour une fois. Je suis jamais tout seul. Comment ça va aujourd'hui les gars? Ça fait plaisir. Première fois que je tourne sur cette chaîne, sur la deuxième chaîne. C'est ma manière d'introduire la nouvelle série, le Micro On Tour, parce que c'est vrai que je l'avais déjà expérimenté sur l'autre, mais désormais on regroupe tout ce qui est foot sur celle-ci. Donc c'est la première vidéo sur cette chaîne. Je suis avec David qui tire. Et puis Julio, comme d'hab, hein. Comme d'hab, toujours présent, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui est un jour spécial parce qu'aujourd'hui c'est le Schwarzbaden Derby entre Stuttgart et Freiburg. On n'est pas à la maison, on est en terrain hostile, on peut se faire attaquer à tout moment. Non mais ça va très bien se passer. On est simplement, vous l'avez compris, pour le derby entre Stuttgart et Freiburg. On va filmer ça comme d'habitude, on est en secteur visiteur. On a passé un voyage compliqué, si ce n'est pour pas dire autre chose. Donc on va profiter d'aller manger maintenant, d'aller peut-être boire une petite bière et puis de se mettre dans l'ambiance avant le derby. Je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager comme d'habitude. On est parti. To mislead, this is all you need. Be your everything, and I'll be your everything. T'es un expert. Quel pronostic? 3-2 Freiburg. 3-2. Bon, pour ça, il y a toujours eu beaucoup de buts. 3-2 Freiburg. 3-1. Moi j'ai dit 3-1 aussi. Ouais. Moi j'ai dit 3-1 aussi sur le Discord, j'ai mis 3. Il y aura 5-0 pour Stuttgart. On aura que nos yeux pour pleurer. Tu ne mettras pas ça du coup. On vient d'arriver, franchement c'est, je l'avais déjà fait mais c'est un kiff, c'est trop beau, trop beau. Alors il y a la tribune, il y a une tribune qui est en rénovation, je vais vous le montrer, pour l'Euro 2024, donc ça casse un peu le truc mais c'est pas grave, hein. Le cadre est exceptionnel. Dans le derby du Schwarzbaden, Freiburg a toujours gagné les 4 derniers derbys, dont ici où ils ont gagné 4-2 et 3-2. Donc il est clair qu'on attend une victoire, que Freiburg a besoin d'une victoire. Maintenant c'est un derby, donc c'est très 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 ouvert, mais en tout cas l'ambiance est belle. Et puis c'est électrique, c'est très très électrique. Un autre petit point que je parlais justement à l'instant à David, c'est ce stade, la Commerzbank Arena, qui est bien sûr le nom d'un sponsor, puisque les Usis, Mercedes et Porsche se trouvent à Stuttgart. À la base, le stade ne s'appelle bien sûr pas comme ça, hein, voilà, c'est des marques qui ont payé pour pouvoir donner le nom au stade. À la base, le stade s'appelle le Neckar, qui est donc le fleuve qui traverse la ville de Stuttgart et qui a aussi donné du coup son nom au groupe de supporters, le Cannstatter pour le Neckarstadion, Cannstatter pour les rues de la ville de Stuttgart. Voilà un petit peu pourquoi les fans de Stuttgart qui sont très connus, le Commando Cannstatt de 97, se nomme de cette manière. Un petit peu d'histoire, ça fait toujours plaisir. Yeah.
Ok les gars, mi-temps, franchement c'est l'atmosphère, c'est électrique, c'est tendu. Moi limite j'ai la boule au ventre, j'ai tellement pas envie de perdre. Et voilà, on mène 1-0 sur un but de Griffo. De manière générale, on est bien, on est très bien. Le seul danger à Stuttgart, c'est Kalatić qui est tellement grand. Flanken fait deux arrêts énormes, c'est très 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 tendu. Je vais pas vous le cacher que si on gagne, je pourrais passer un week-end tranquille. Mais c'est très tendu, mais l'ambiance est vraiment cool. Et la Mercedes-Benz Arena est très très belle. Ceux qui ne l'ont jamais fait, je vous conseille franchement de la faire. Il y a un accès assez facile, il y a des parkings un peu partout. Et puis, avoir des billets, c'est pas non plus trop compliqué quand tu es supporter de Stuttgart. Par contre, quand tu es supporter de Freiburg, il faut être très très réactif. On a eu les billets, il a fallu être connecté au bon moment. On les a eu assez facilement. Ah, j'ai envie de chasseau de bordel. Ah voilà. Freiburg va jouer plus défensif, ce qui est un peu logique. Ça va être chaud, c'est tendu, c'est très tendu.
Je vous débriefe ça un peu à froid parce que je ne vais pas vous le cacher que la fin était tout un peu euphorique. J'ai aussi vu des abonnés, donc on a profité pour partager un petit moment et j'ai profité aussi pour profiter de ces instants. C'est pour ça que je n'ai pas tourné de la fin en direct du stade. Je pense que vous avez eu assez de rush pour voir que c'était une très très belle ambiance. Voilà, Schwarzbaden Derby gagné, 5e d'affilée pour Freiburg quand même. Qui se relance bien. Je vais pas vous le cacher qu'on a souffert parce que c'était très compliqué en deuxième mi-temps. Stuttgart a beaucoup attaqué, mais par contre Freiburg a été très très bon défensivement. Freiburg se relance clairement, hein, désormais dans les places européennes. Stuttgart doute de plus en plus. 3 matchs, 2 matchs nuls et une défaite pour les Stuttgarters, mais c'est comme ça. Non, vraiment très très sympa. Après, on est sorti du stade, pas trop d'animosité, pas trop de problèmes pour nous en tout cas. J'ai entendu qu'il y avait eu 2-3 soucis entre supporters, mais pour notre part, ça s'est plutôt bien passé. Et après, on a pris la route, on est actuellement à Heidelberg, où on a passé la nuit. Donc voilà, j'en dis pas plus. Je vous invite à rester connecté parce que une autre vidéo sort très très prochainement. J'espère qu'elle vous plaira. Je vais vous laisser parce qu'il me reste très peu de temps sur ma carte SIM. J'espère que vous avez pris du plaisir. Donnez-moi votre avis sur ce vlog, sur le premier épisode du Micro Home Tour. Moi, ça fut un réel régal. Merci de liker, de commenter, de partager. Le partage va beaucoup m'aider pour ce début de série. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, que ce soit foot ou vlog. C'était Micro. Ciao les gars.